Street art et la Seine-Saint-Denis, c'est effectivement une longue histoire commune, j'ai envie de dire aussi une histoire d'amour, parce que par exemple cette Street Art Avenue, elle est née à l'occasion d'un premier grand événement sportif international, en tout cas européen, c'était l'Eurofoot de 2016. Le département d'emblée en a été un des partenaires importants et d'ailleurs à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons voulu avec le COJO, avec Saint-Denis, avec Plaine Commune, bien renforcer encore notre soutien à cette belle initiative pour lui donner encore plus de force, encore plus de visibilité. Derrière moi, il y a Paola, une artiste qui vient originaire du Mexique, qui est venue nous faire une représentation d'une tranche de vie d'Aubervilliers. Elle a pris pour sujet des habitants, des résidents d'Aubervilliers et a vécu quelques instants, quelques moments avec eux, à partager un moment leur vie pour pouvoir les photographier et pouvoir les réintégrer dans sa pièce. Elle a pris pour personnage central Flo, une designer textile assez réputée du quartier qui habite depuis une quinzaine d'années à Aubervilliers.